Le deuxième logion de l'évangile selon Thomas est capital pour sa compréhension, car l'apôtre Thomas y propose un itinéraire spirituel en sept étapes que j'appelle les provinces du royaume. Voici le texte de ce logion dans la version qui a été retrouvée à Oxyrhynque en Égypte. Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse de le faire jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera bouleversé, et étant bouleversé, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout, et régnant sur le tout, il trouvera le repos. Première étape, celui qui cherche. Les aléas de la vie font souvent que l'on s'interroge sur son sens et que l'on remette en cause la notion de bonheur telle que proposée par la société. Ou bien des rencontres, des conférences ou des lectures nous laissent entrevoir l'existence d'une autre réalité au-delà de ce qui est visible. On se tourne alors vers différents écrits philosophiques ou spirituels. On cherche. Cette étape est la première province du royaume. Elle consiste essentiellement en une prise de conscience des limites de sa vie actuelle. Deuxième étape, chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Notre guide nous explique qu'il faut vraiment s'impliquer pour profiter de cet enseignement. Cela passe par exemple par des relectures ou des méditations de ses paroles. Mais que doit-on chercher exactement? Il s'agit notamment de savoir qui nous sommes vraiment, d'où nous venons, quelle est la vraie réalité et quel est le sens de notre existence. La clé de cette investigation est révélée au logion suivant. Il s'agit de la connaissance de sa vraie nature, autrement dit de la gnose. C'est l'un des sésames pour trouver l'épanouissement spirituel et le bonheur. Cette démarche caractérise la deuxième province, même si cette quête approfondie ne se limite pas à cette étape. Dans la première province, on décide de chercher et, à partir de la deuxième, on s'investit dans cette quête. Troisième étape, on a trouvé. Dans la troisième province, on atteint un palier, on connaît l'objet de sa quête, la gnose, et on l'a comprise. Ce sont cependant toujours des connaissances théoriques. L'expérimentation se produit à partir de l'étape suivante. Quatrième étape, une fois que l'on a trouvé, il faut s'attendre à être bouleversé. Le mot bouleversé ici est plutôt à prendre au sens de déstabiliser. En découvrant d'autres réalités, nous perdons nos certitudes. C'est la première fois que Jésus, ou qu'un autre représentant du divin, se manifeste concrètement à nous. Il fait irruption dans notre vie et nous perdons nos repères habituels, d'où cette déstabilisation. Nous pouvons aussi être tiraillés entre notre vie quotidienne et l'appel du divin. Si nous réussissons à résoudre ces conflits en nous, nous accédons alors à la province suivante où nous entrevoyons la récompense. Cinquième étape, du bouleversement, on passe à l'émerveillement. Une fois que nous avons vraiment compris ce qui nous arrive, alors nous nous émerveillons. La déstabilisation initiale fait place à une sorte de béatitude. La mystique béguine Marguerite Porret parlait d'étonnement émerveillé pour caractériser cet état. Notre vie est totalement transformée en découvrant des réalités inouïes et insoupçonnées jusque-là. C'est une province dans laquelle Jésus ne ménage pas sa peine pour nous attirer à lui. Nous pouvons sentir son amour lors de certaines intériorisations et nous avons parfois des avant-goûts de la septième province. Sixième étape, on règne alors sur le tout. Arrivé à ce stade, le marcheur prend conscience de sa nature divine et du fait qu'il appartient à un tout, qu'il n'est pas seul. Il a alors accès aux ressources divines illimitées. Le résident de cette province sent une puissance et une connaissance infinies à portée de sa main, comme certains mystiques, saints, guérisseurs ou maîtres spirituels l'ont expérimenté. Il faut cependant préciser que, dans cette avant-dernière étape, les effets sont intermittents, on n'est pas toujours connecté. Septième et dernière étape. En plus de régner sur le tout, on trouve le repos. C'est l'apothéose. La vie devient alors comme ces béatitudes que certains mystiques ont connues, une entière félicité. Le repos est à la fois la finalité et le moyen. Le terme de repos de l'âme est synonyme de bonheur permanent dans la bouche de Jésus, mais aussi du calme intérieur qui permet de trouver ce bonheur. Après l'effort, vient le réconfort. Ce repos est un mélange de joie ineffable et de détachement. Plus rien ne nous trouble. Cela peut être comparé à un état extatique,
pendant lequel on se noie dans l'infini divin, on se confond avec lui, comme la rivière qui se jette dans l'océan. Bien entendu, il y a différentes modulations de cet état suivant les moments et nos occupations. À noter que ce logion kilé figure aussi dans l'évangile selon les Hébreux, dont malheureusement seulement 6 fragments ont survécu. Dans mon livre « Explorer son royaume intérieur », je détaille les provinces une à une, les expériences à y vivre et comment passer à la province suivante. Merci et à bientôt.